La droite, politiquement, ce n'est plus grand-chose, justement. Parce que, comme Marine Le Pen le dit tout le temps aujourd'hui, et la plupart des cadres du Front National, le clivage droite-gauche n'a plus aucun sens actuellement. Du moment que nous sommes dans l'Union européenne, du moment que nous sommes dans une superstructure mondiale, et du moment aussi que la droite, on l'a vu, a abdiqué tous ses principes philosophiques, tous ses principes moraux, tous ses principes même politiques, face à la gauche idéologique, et bien du coup, la droite, ce n'est plus rien aujourd'hui. Nous sommes en face d'un parti centriste libéral qui a deux visages, celui de l'UMP et celui du PS, la droite et la gauche, mais on sait très bien que ça ne correspond plus à rien. Donc le clivage politique droite-gauche appartient au XXe siècle. Au XXIe siècle, nous sommes en face d'un nouveau paradigme qui s'appelle le clivage entre les nationaux, ceux qui ne veulent pas que la nation disparaisse, et entre les mondialistes, ceux qui veulent que la nation se dilue dans des ensembles plus grands. Après, il y a une question qui est autrement plus intéressante, qui est celle de savoir s'il existe une droite philosophique et une gauche philosophique. Ça, c'est une autre question. Maintenant, si on parle seulement de politique, droite n'existe plus politiquement. Et d'ailleurs, je pourrais dire aussi que la gauche, quand on voit que François Hollande et les politiques qu'il mène aujourd'hui à la tête de l'État, ne peut pas considérer qu'elle soit vraiment de gauche, et il suffit de se rappeler que quand même, il y a encore 2 ans, était à la tête des deux structures qui organisent le commerce et la finance mondiale, c'est-à-dire le FMI et l'OMC, deux socialistes français. Donc c'est ce qui suppose que la gauche aussi n'existe plus. Donc en fait, gauche et droite ne veulent strictement plus rien dire aujourd'hui. Elles sont toutes les deux dans un paradigme libéral. Ce sont tous les deux des partis libéraux, les deux des mouvements libéraux. Et politiquement, c'est les deux faces d'une même pièce. Voilà. Donc politiquement, il faut que les gens comprennent que l'échiquier politique droite-gauche appartient au XXe siècle, n'appartient plus du tout au XXIe siècle. En fait, oui et non, parce que là, vu qu'on peut développer, c'est rare qu'on puisse développer ce genre de questions. Oui et non, parce qu'en réalité, la gauche est un concept qui est né après l'affaire Dreyfus. On a tendance à croire que c'est né à la Révolution française. Mais en fait, c'est pas tout à fait ça. En tout cas, la vraie gauche, originellement, essentiellement, ce sont des libéraux. C'est-à-dire que ce qui était à gauche de l'Assemblée lors de la Révolution française, c'était les libéraux. Donc, était précisément sur un projet libéral qui était en construction encore. Hein. Benjamin Constant, c'était pas Pierre Berger, ça c'est sûr, mais c'était un projet en construction qui était libéral. Et les socialistes, ceux qui défendaient les ouvriers, ceux qui défendaient la classe ouvrière, ceux qui étaient dans une logique de lutte des classes, ne se considéraient pas comme étant de gauche. En réalité, l'alliance, enfin, oui, l'alliance entre les socialistes et la gauche radicale, libérale, républicaine, s'est faite après l'affaire Dreyfus. Vous pouvez lire toute l'œuvre de Marx, de Proudhon, vous ne verrez jamais le terme gauche. Jamais les marxistes se sont considérés comme étant de gauche. Et même d'ailleurs, il y a des lettres qui sont sorties qui ont été échangées dans la famille de Marx, où il se moquait des gens de gauche, parce que la gauche représentait le libéralisme. Un mec comme Thiers, durant la Commune, qui fait tirer sur le petit peuple parisien, c'est un type de gauche à l'époque. C'est un libéral, voilà, il est contre l'ordre monarchique, contre les valeurs, contre le catholicisme et tout cela. Donc finalement, en fait, la gauche, en ayant retrouvé sa nature libérale, c'est-à-dire à défendre, justement, on pourra développer le sujet du libéralisme, mais voilà, ayant retrouvé sa nature de défense de ce projet-là, eh bien finalement, est redevenue elle-même. Parce que la gauche qui défend les ouvriers, qui défend le petit peuple, c'est pas vraiment la gauche en réalité, voilà. Essentiellement. Et ça, c'est une question intéressante, historique, sociologique et philosophique. On ne peut pas en parler sur les plateaux télé, donc ça, c'est l'avantage ici. Plutôt quel groupe? J'en parle aussi. Pardon. Ah, mais ça, c'est vrai ce que vous dites. Il y a eu une OPA qui a été faite, si on peut parler comme ça, des bleus sur les rouges. Justement, après l'affaire Dreyfus, il y a eu une sorte d'alliance, voilà, entre les libéraux
et une alliance qui a toujours été un peu compliquée, quoi. Ils se sont souvent battus entre eux, hein, attention, hein. Même dans, au sein de l'alliance, il y a toujours d'énormes difficultés entre les radicaux, les républicains, plutôt libéraux, et la gauche plus sociale, hein. Je veux dire, ça a toujours été le cas, hein. Ça, même à la Révolution française, entre Marat et Robespierre et puis les Girondins, il y a toujours eu effectivement des difficultés. Donc ça, c'est un problème politico-philosophique qui est vieux comme la France. Et effectivement, ils sont arrivés, les rouges, enfin, les bleus sont arrivés à s'associer aux rouges, pour parler en termes de couleurs comme ça, alors qu'en réalité, il y a peut-être plus de cohérence et plus de liens entre les blancs, c'est-à-dire ceux qui défendent des valeurs qui sont issues de l'essentialisme platonicien et chrétien, et la défense du travailleur. Et c'est pour ça que moi, je n'ai jamais supporté l'idée selon laquelle la défense du peuple, des ouvriers, était quelque chose qui était forcément de gauche. Voilà. Parce que le général de Gaulle l'a prouvé il n'y a pas très longtemps, on peut prendre des exemples historiques depuis très longtemps, avec Louis-Napoléon Bonaparte, par exemple, ce genre de personnage qui était considéré comme étant à droite et qui pourtant ont promulgué des lois et ont fait des choses très importantes pour les pauvres, pour les ouvriers. En aucun cas, la gauche a le monopole à la faute du cœur, comme ça avait été rappelé à Mitterrand, et le monopole justement de la défense du petit peuple. Il y a eu au contraire très souvent une alliance entre le petit peuple et, disons, la une conception que l'on considère comme droitière, à savoir une conception remplie de valeurs et de principes, donc très à droite, légitimiste et tout ce que vous voulez. Et c'est sûr que ce que nous faisons au Front National, c'est un peu la réunification aussi de cela, c'est-à-dire associer les valeurs et le travail. Et ça inquiète énormément les libéraux, parce que ils savent très bien que c'est cette alliance-là qui peut les renverser. Et c'est pourquoi ils nous appellent les rouges bruns, ils nous traitent d'extrême droite et tout le reste. Alors qu'en réalité, cette alliance, elle a été faite par exemple le général de Gaulle. Le petit peuple était associé au grand projet national et patriotique du général de Gaulle. Ça allait de pair. Et ça fait très peur effectivement aux libéraux. Disons que oui, on est toujours un petit peu sur la même problématique du libéralisme. C'est-à-dire qu'on ne peut pas. La défense du peuple français, c'est une défense du peuple vis-à-vis du capitalisme internationalisé, du libéralisme sans frontières, justement, qui fait qu'aujourd'hui on perd nos industries, on perd nos emplois. Et c'est aussi, effectivement, une défense du peuple en termes d'identité. Et le gros problème de l'extrême gauche, c'est pour ça qu'ils sont souvent alliés avec les libéraux, on le voit notamment à l'Union européenne, en termes de vote de loi, c'est que, enfin, de proposition de la Commission européenne qui s'applique dans toute l'Europe, le souci c'est que les uns, donc les libéraux économiques à droite, sont pour l'ouverture des frontières pour les marchandises et donc soumettre la France à la concurrence internationale, mais parce qu'il faut quand même défendre un petit peu certaines familles et certaines valeurs, il faut se fermer à l'immigration. Totalement, parce qu'on sait quand même que la droite est sacrément immigrationniste en France. Mais en tout cas, dans le discours, ils se disent OK pour l'ouverture des frontières, pour le commerce international et la finance, mais non à la libre circulation des personnes. Et puis l'extrême gauche à côté disent non, non, il faut se fermer au commerce extérieur, il faut se fermer à la concurrence internationale déloyale, mais il faut s'ouvrir totalement aux migrations et à la circulation des personnes en France. Bon. Là encore, on voit que les deux, droite comme gauche, comme extrême gauche, sont issus de la même genèse libérale. C'est-à-dire qu'ils ne considèrent pas qu'il y a un peuple, ils ne considèrent pas qu'il y a des frontières qu'il faut protéger. Nous, on est cohérents là-dessus, et c'est pour ça que les ouvriers, le petit peuple l'a compris, ils votent aujourd'hui pour Marine Le Pen, c'est parce qu'ils ont saisi que la défense du peuple, c'est effectivement protéger son bien économique, mais ce qui va avec aussi, parce qu'on n'est pas uniquement des matérialistes, heureusement, eh bien c'est aussi protéger son identité, c'est protéger ce qui le constitue. Et c'est pour ça que l'ouvrier aujourd'hui, il vote Marine plutôt que Mélenchon, parce qu'effectivement, il se sent en insécurité économique, et il se sent aussi en insécurité identitaire. Et nous sommes les seuls à lier les deux. Voilà, on veut défendre le peuple, et ça passe par une défense d'ordre matérialiste et économique, mais aussi, parce qu'on pense que ce qui constitue l'homme, c'est plus que ça, une défense spirituelle et identitaire. Car un homme, il n'a pas besoin que d'une maison, d'une voiture et d'un chien. Il a besoin aussi d'une identité, de valeur et de savoir ce qu'il est, de racine.
Et c'est pour ça qu'on se prend dans la tête d'ailleurs autant les libéraux de droite que les libéraux d'extrême gauche.